Hey tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre et lire aux commentaires de mes haters. Donc, cette vidéo m'a été énormément demandée. Puis je me suis dit, je suis de bonne humeur, on va bien entamer la journée et on va lire des méchants commentaires pour me mettre encore plus de bonne humeur, ouais! Et je vais vous laisser direct avec la vidéo, je lis les commentaires, c'est parti! On sort l'engin où il y a les commentaires, attention, ça va clasher! Premier commentaire de Jaja Up, tes sourcils me frustrent du fait qu'ils ne soient pas symétriques. Je te prie d'y remédier car je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Alors, mes sourcils ne sont pas symétriques, je suis pas parfait, j'ai pas été fait avec les mains de Dieu, parfait, tout symétrique, nickel, nickel. Je suis très triste de son commentaire, ça m'a vexée. Je vais aller chez l'esthéticienne. Et je te prie d'y remédier car je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Mais est-ce que sincèrement tu as cru que j'allais changer mon physique à moi pour te plaire à toi? Sorry but no. Alors, t'as la voix que j'ai quand j'imite une pinta MDR. J'ai une voix de meuf, je n'ai pas mué, donc je peux que dire que c'est vrai, mais ça aurait pu être dit quand même plus gentiment. J'aime le concept, mais pour mon avis, qui est tout à fait personnel bien entendu, je n'aime pas la tonalité de ta voix, c'est pour ça que je ne regarderai pas les autres vidéos. Qu'est-ce que vous avez contre ma voix, putain? Déjà, juste pour la petite minute culture, une tonalité c'est genre... C'est ça, genre un bruit genre... Genre c'est pas de la voix, la tonalité de la voix ça se dit pas déjà... Et ensuite, juste pour ma voix, tu vas pas regarder les autres vidéos. Et ben je te dis bye bye. Où va le monde, putain? Je sais pas qui c'est le pire entre les deux tarlouses, l'hippopotame africain et l'espèce de Gwyn sapé comme un clochard. Sérieusement, merde. Alors la tarlouse, elle te met un gros doigt et je pense que les trois autres aussi. Merci. Tes narines bougent quand tu parles, c'est stressant. Plus j'ai des grosses narines. Je savais pas qu'elles bougeaient quand je parlais. Des. Lave-toi les dents. Tiens, avec un grand sourire, comme ça tu pourras voir mes dents. Alors, nouveau commentaire de Inès Beauty. Juste arrête de faire le mec qui slay, tu slay rien du tout. Est-ce que j'ai prétendu juste une seconde que je slayais? Non. Gringalet, je pense que t'oses même pas porter tes couilles en baston, tu vas jamais percer, laisse tomber. Donc, d'après monsieur El Fratello, pour percer sur YouTube, il faut oser se battre et porter ses couilles en baston. Bravo la mentalité, bravo. Cohérence 0, intelligence 0 et cognitude 20. Tu me saoules tellement avec tes manières, en plus tu t'ambiances pour rien et tu fais genre tu connais les paroles alors que tu fais du gâteau, des gens disent du yaourt mais je t'en veux pas. Et j'ai l'impression que tu fais tombeau, donc arrête ça parce que tout le monde le dit en commentaire. Donc bah la prochaine fois évite de faire ton connaisseur s'il te plaît. Salut connard, au fait t'es un PD parce qu'on dirait trop, ne te vexe pas, c'est juste on dirait bye bitch. Alors déjà quand on écrit comme ça en français on n'essaye pas d'essayer de mettre bye bitch à la fin en anglais. Et même bitch t'arrives pas à l'écrire correctement et bye non plus. Donc ne te mets pas au français ni à l'anglais, essaye le chinois ou l'allemand, remarque, on sait pas trop si tu y arriveras. Alors lui, la crème de la crème. Quand Sullivan et Gloria ne sortent pas de vidéos, Alex ne sort pas de vidéos lui aussi. T'es un suiveur Alex, toi qui disais une à deux vidéos par semaine. Choqué et déçu. Et MDR, genre, je vais faire genre... Ah, il y a Sullivan et Gloria qui ont pas sorti de vidéos, je ne sors pas de vidéos. Non mais sincèrement, réfléchissez 3 secondes dans votre tête s'il vous plaît. T'es vraiment un enculé, va te faire foutre connard, ta mère c'est une chienne. Pourquoi tant de haine? Pourquoi? I don't know. Ensuite, ça c'est un tweet qui m'a fait trop rire parce que des fois je cherche Alexandre Burini sur Twitter pour voir ce qu'on dit sur moi, ça me fait un peu rire parce qu'on me mentionne pas quand on me critique. Alexandre Burini, c'est vraiment une youtubeur que j'aime pas. Mais si tu m'aimes pas, pourquoi tu tweets sur moi? Genre, c'est... merci, tu me donnes de l'importance, hein, franchement, merci. Mais pourquoi tu tweets sur moi? Genre, juste posez-vous la question. Genre, si vous m'aimez pas, pourquoi vous prenez du temps à venir commenter mes vidéos ou mettre un tweet sur moi? Ça me touche, hein, mais ça sert à rien. Tes yeux, c'est horrible. Mais ils ont quoi mes yeux, putain? Mais j'en ai marre. Pourquoi on me juge sur mon physique? Mais j'ai de très beaux yeux. Non, mais oh. Non, je rigole, j'ai des yeux dégueulasses, mais... De là à les critiquer? Pourquoi tant de haine? T'es sexy. Oh mon dieu, c'est quoi cette photo, mon dieu? Ah, j'ai mal dormi en ce soir, je vais faire des cauchemars. On finit cette vidéo sur une touche de joie, oui.
Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. Franchement, je vous dis la vérité, je me suis un peu, enfin genre je me suis un peu enflammée sur la vidéo, mais tu sais ça fait du bien de répondre et tout aux commentaires et tout, de les lire avec vous en face caméra et tout. C'est franchement c'est ça fait du bien. Et malgré les méchants commentaires que j'ai lus, je referai sûrement une vidéo parce que je crois que ça n'a pas été fait où je lis vos gentils commentaires pour vous remercier un peu. Enfin je sais pas si ça va être super drôle, mais on verra bien. Je la tournerai et puis je verrai bien au montage. En tout cas, je retiens vraiment pas les méchants commentaires, je retiens que les bons. Donc merci à vous de laisser des gentils commentaires. J'allais dire des méchants commentaires, wesh. Et voilà, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Et puis voilà, voilà. N'hésite pas à t'abonner et si t'es bienvenue, si t'es bienvenue. Si t'es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner. Et puis quant à moi, je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye.